Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله عز وجل الجيد القرآن هو الله الخالق. Répétez. هو الله الخالق. هو الله الخالق. هو الله الخالق. هو الله الخالق. C'est lui Allah Azza wa Jal, le créateur. Car Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est lui le créateur de toutes choses. Allah Azza wa Jal, il a créé tous les êtres humains. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a tout créé. Le ciel, la terre, les étoiles, les plantes, les animaux. Allah Azza wa Jal, il a créé ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. D'accord? Et comme Allah Azza wa Jal, il nous a créé, on doit lui obéir. Puisqu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a créé pour qu'on l'adore. Et tout à l'heure, après la prière, Elias, il m'a posé une question très importante. Elias, il a dit, pourquoi Allah Azza wa Jalla nous a créé? Pourquoi il nous a mis sur terre alors qu'il sait tout? Il sait déjà si on va aller au paradis ou il sait déjà si on va aller en enfer. Et on a répondu qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, na'am, il sait tout. Il sait tout. Mais Allah Azza wa Jalla, il nous a laissé le choix. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous a laissé le libre arbitre, le choix. Tu as le choix de l'adorer et de prendre le chemin du paradis. Et tu as le choix de ne pas l'adorer. Mais dans ce cas-là, tu prendras le chemin de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Kullu ummati yadkhuluna al-jannah » Toute ma communauté entrera au paradis. Tout le monde, tous les musulmans entreront au paradis. C'est beau ou c'est pas beau? C'est beau. Et ensuite il dit, illa man abba, sauf celui qui refuse. Wa qila ya rasul, wa qila wa man ya'ba, ya rasulallah. Ou wa qila ya rasulallah wa man ya'ba. Et ils ont dit, oh messager d'Allah, ils ont dit, mais qui va refuser le paradis? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui va se lever et qui va dire, moi, j'ai pas envie d'aller au paradis? Bon. Qui va dire ça? Personne. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu aux compagnons, parce que les compagnons, ils étaient surpris. Ils ont dit, mais qui va refuser? Et il a dit, Man ata'ani dakhala al-jannah. Celui qui m'obéit entrera au paradis. Wa man asani faqad aba. Et celui qui me désobéit aura automatiquement refuser d'entrer au paradis. Donc pour entrer au paradis, il faut obéir à Allah. Et il faut adorer Allah. Et il faut se soumettre à Allah. Tabaraka wa ta'ala. Oui, Elias? Ta demi-sœur et ton demi-frère, ils sont pas musulmans. Donc tous les jours, Inch'Allah, ton père, il s'est converti à l'islam et avant ça, il avait des enfants qui n'étaient pas musulmans. Très bien. Donc regarde, écoute-moi bien. On a dit, Allah, il est capable de tout. Et Allah, il a tout créé. Quand on est malade, on demande à qui de nous guérir? Allah. Si ton frère et ta soeur, ils sont malades, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas demander à Allah de les guérir. Tu es d'accord avec moi? Et bien là, ils sont encore plus que malades parce qu'ils ne sont pas musulmans. Dans ce cas-là, tous les jours, il faut que tu demandes à Allah de les guider. De les guider pour qu'ils deviennent musulmans. Tous les jours, tu lèves tes mains et tu dis « Allahumma hdi akhi ». Oh Allah, guide mon frère. Allahumma hdi ukhti. Oh Allah, guide ma sœur. Tous les jours, tu lèves tes mains et tu demandes à Allah de guider ton frère et de guider ta sœur. Parce qu'Allah, il entend tout. Et Allah, il entend tout. Et à chaque fois que tu demandes quelque chose à Allah,
il te répond. D'accord ? Donc qu'est-ce que tu vas faire, Elias ? Très très bien. Tous les jours, tu vas demander à Allah Azza wa Jal de guider ton frère et ta sœur. Hadahum Allah. Dites Amin. Donc, Allah Azza wa Jal, il nous a créés pour qu'on l'adore. Et il nous a laissé le choix. Donc, celui qui choisit d'adorer Allah, il ira où, Hamza ? Celui qui adore Allah, il ira où après ? Au paradis. Très bien. Et celui qui n'adore pas Allah, il ira où ? En enfer. En enfer. D'accord ? Donc, Allah Azza wa Jal, il a tout créé. Qui a créé le ciel ? Allah. Qui a créé la terre ? Allah. Le soleil ? Allah. La lune ? Allah. Les étoiles ? Allah. Le jour ? Allah. La nuit ? Allah. Les fruits ? Allah. Les plantes ? Allah. Subhanahu wa ta'ala. Oui, tu avais une question ? Alors, s'il y a un musulman qui fait des péchés, est-ce qu'il va quand même aller au paradis ? Alors, Allah Azza wa Jal, il s'appelle El-Ghaffar. Répétez, El-Ghaffar. C'est celui qui pardonne tout le temps. Donc, si un musulman, il fait des péchés, et il dit, Astaghfirullah. Répétez, Astaghfirullah. Astaghfirullah. Si tu fais un péché, tu fais une bêtise, tu fais une erreur, mais tu dis, Astaghfirullah, Allah, il va te pardonner. Si tu fais exprès de faire un... Ben, généralement, quand on fait une bêtise, on le fait exprès. Généralement, on le fait exprès. Si tu n'as pas fait exprès, tu n'as pas de péché. Si tu as fait exprès, moi je te parle, c'est si tu as fait exprès. Et que tu dis Astaghfirullah, Allah il va te pardonner. Par contre, si tu as fait un péché, tu as fait exprès, mais tu n'as pas eu le temps de dire Astaghfirullah, et tu es mort. Et tu es mort. Et ben là, et si, parce que tu as fait exprès. Dans ce cas-là, soit Allah il te pardonne parce que tu as dit la ilaha illallah, et tu rentres au paradis. Ou soit Allah, il va te mettre pendant un moment en enfer. Pendant un certain moment, tu iras en enfer, mais à la fin, tu iras au paradis. Mais nous, on ne veut pas aller en enfer. C'est pour cela qu'on ne fait pas de bêtises. On ne doit pas faire de péché. Et dès qu'on fait un péché, une bêtise, une erreur, on dit « Astaghfirullah ». Astaghfirullah. 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 Wa atubu ilayhi. D'accord les enfants ? Donc retenez tout ce qu'il existe, les petites choses comme les grandes choses, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui les a créées. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a créé les meilleures choses pour nous. Il a créé des bonnes choses pour nous. Chaque jour Allah Azza wa Jal, il nous donne notre nourriture, il nous donne ce que l'on a besoin, il nous donne l'air pour respirer, il nous donne la santé. C'est pour cela qu'on doit, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit remercier. Allah. On doit remercier. Allah. Et retenez, mettez vos doigts comme ça, en faisant un 3. On remercie Allah de 3 manières. Première manière, mettez le 1 comme ça avec votre pouce. Première manière, en disant Alhamdulillah. Donc, toutes les bonnes paroles que tu peux dire avec ta bouche, Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, en disant cela, tu remercies Allah. Donc, multiplie cette parole, Alhamdulillah, parce qu'Allah, il t'a tout donné. Il t'a donné la santé, alors qu'il y a des enfants de ton âge qui sont à l'hôpital et qui ne peuvent pas bouger. Il t'a donné les bienfaits, il t'a donné une maison, il t'a donné un lit, il t'a donné... Alors que vous avez vu, quand on est rentré à la mosquée, il y avait un petit garçon... plus petit que vous, qui était sur le trottoir, assis. Et vous, Allah Azza wa Jal, il vous a donné une maison à manger, à boire, vous avez des habits. Regardez comment, et surtout, le plus grand bienfait qu'Allah vous a donné, c'est quoi ? C'est que tu es musulman. Gare Elias, tout à l'heure, il a dit, son frère et sa sœur, ils ne sont pas musulmans. Toi, Allah, il t'a choisi et tu es musulman. Donc, premièrement, tu remercies Allah avec la langue. D'accord ? En disant, Alhamdulillah. Deuxièmement, tu remercies Allah avec le cœur. C'est-à-dire que tu reconnais qui t'a donné la santé, qui t'a donné la vie, qui t'a donné tous les cadeaux et toutes les bonnes choses et tous les bienfaits. Allah. Et troisièmement, tu remercies Allah avec tes membres, avec ton corps. C'est-à-dire que tu fais la prière. Quand tu fais la prière, tu remercies Allah. D'accord ? D'accord ? Et il y a combien de prières par jour ? 5. Donc si tu fais tes prières, si tu obéis à tes parents, si tu fais toutes les bonnes actions,
tu vas remercier Allah. Tabaraka wa ta'ala. Dernière question, puisqu'après c'est l'heure des parents. Elia, je t'écoute. Ok, donc tu as vu ça, hein, tu as vu une vidéo par rapport à ça, mais les enfants, il faut faire attention de ne pas regarder les vidéos, surtout les vidéos d'adultes. Des fois, de vous regarder dans les téléphones de vos parents, des fois, vous aimez bien prendre et regarder les photos, regarder les vidéos. Attention, ça, il ne faut pas le faire, parce que des fois, il y a des vidéos qui sont pour les grands et que les enfants ne doivent pas regarder, parce que des fois, il y a des choses, parce que des fois, les gens, ils envoient des vidéos sur nos téléphones, à nous les parents. Nous, on ne sait même pas c'est quoi la vidéo, mais elle se met dans le téléphone. Donc, vous, vous êtes encore des enfants, vous ne regardez pas dans le téléphone de vos parents. D'accord, les enfants? Allahumma salli. Allahumma salli. Ala Muhammad. Ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Kama salli. على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Donc les enfants, vous dites à vos parents en devoir, on fait la page 13 et la page 15. Répétez 13 et 15. 13 et 15. 13 et 15.